La même écriture d'hier.
Ne vous attendez pas que je parle à la même hauteur que lui, que le docteur. Parce que les grâces se diffèrent. Chacun a sa grâce. Lui, il prêche toujours très haut. Moi, c'est vraiment trop bas. Alors, il ne faut pas me mesurer avec lui. Donc, si tu veux me mesurer, mesure-moi par rapport à la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Mais je suis sûr et certain que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Ça, je le sais. Pendant mon intervention, j'interromprai à un moment donné pour prier pour seulement deux personnes, parce que le service se fera demain. Mais j'ai à charge de prier pour deux personnes qui ont des problèmes vraiment insolubles. On va prier pour eux, parce que nous avons un Dieu que nous disons toujours qu'il est le Dieu des impossibles. Car même lorsque tout est fermé, il faut croire qu'il est créateur. Il peut créer la solution là où la solution n'est pas nommée. Voilà. On rentre dans les livres de Jonas. Jonas, toujours le même chapitre, chapitre 1, j'ai lu le même verset que le bien-aimé a lu hier, parce que je ne crois pas qu'il a tout épuisé. Même moi, quand je vais aussi prêcher, je ne vais pas les épuiser. Le Seigneur fera grâce qu'un autre serviteur s'élève sur les mêmes écritures. Parce que les écritures ont une profondeur illimitée. Amen. Je prends Jonas chapitre 1. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout. Nous allons lire debout, je vous prie. Nous lisons Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ajoutez à ces écritures l'écriture de Jean chapitre 15, verset 13, où il est écrit: il n'y a de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Et on va ajouter d'autres écritures au fur et à mesure que nous allons avancer, si le Seigneur le permet. J'aimerais vous dire que le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Avant d'introduire ma prédication d'aujourd'hui, j'aimerais apporter un élément important, c'est-à-dire une précision.